Roxen 17ème, rentré dans les points, Ken Roxen. Ça, ça va lui permettre de sauver un petit peu cette première manche. Je sais pas trop ce qu'il a eu dans sa chute parce qu'il était vraiment pas énervé pour remonter sur la moto. Il était. Quelque. Je sais pas. Les derniers tours donc de ce Grand Prix. Frossard. Et voici Steven Frossard. Il est pas loin, mais il a pas su venir au contact et même sans porter une attaque, mais mettre plus la pression sur Erlings, peut-être pour le pour qu'il commette une faute. Et si on reste à, comme ça à 20-30 mètres, c'est dur de mettre la pression sur un pilote. Frossard qui a le deuxième meilleur tour en course hein, quand même dans cette manche en 2.13.313. Meilleur chrono pour Musquin en 2.12.130. Et Gauthier qui vient de réussir à l'instant même son meilleur temps aussi, 2.14.6. Ah, il est revenu à nouveau, mais nous sommes quasiment au niveau de l'arrivée. Frossard est là, derrière Jeffrey Erlings. Ah, il s'est sans doute réveillé un petit peu trop tard, hein, malheureusement, Steven Frossard. Pas facile hein, cette descente. Ah, il est chaud. Non, hein, pas facile cette descente, les dévers, les ornières. Il y a des gros trous dans les ornières, justement, on l'a vu prendre un bon coup dans un trou là, Frossard. Ouais, c'est ça en fait. Frossard, c'est ça. Il est dans sa roue et après il va faire une erreur dans un virage. Il perd encore en 2 secondes. Donc, il faut vraiment se mettre derrière un pilote et surtout tenter une attaque qui est pensée. Il ne faut pas essayer de passer n'importe où. Il faut essayer de. Et voilà, c'est fait. Victoire de Marvin Musquin une nouvelle fois.